Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre d'XP en illimité sur Fortnite chapitre 3 très facilement et très rapidement et ce, sans rien faire. Alors pour réaliser ce glitch, vous allez devoir aller en mode créatif comme je le suis. Ensuite, quand vous êtes en mode créatif, il faudra interagir avec ces deux failles que vous voyez là. N'interagissez pas avec les autres, interagissez bien avec ces deux failles là. Ensuite, vous allez dans le pad de gauche mettre le code que je vais vous dire. Donc c'est le code 5 1 8 5 0 2 7 4 7 6 5 8. Ensuite, vous validez et vous acceptez. Ensuite, sur le pad de droite, vous allez mettre le code 2096792464419. Ok, ensuite, vous validez et vous acceptez. Alors maintenant, vous allez rentrer dans l'île de gauche, donc l'île numéro 1 que vous avez rentré le code. Ensuite, vous attendez que la partie se lance. Quand la partie est lancée, vous allez prendre des accélérateurs. Voilà. Ensuite, vous allez prendre des constructions. Ensuite, vous allez prendre des matelas. Vous allez prendre des poissons faille. Et vous allez prendre des poissons ombre. Ensuite, vous allez prendre la faille qui est juste là, la faille God Mode. Et là, vous allez attendre de réapparaître. Ça va vous faire réapparaître dans l'accueil du mode créatif. Donc de là, vous allez pouvoir voler en appuyant deux fois sur X. Mais là, faites attention parce que il faut pas appuyer deux fois sur X super lentement. Il faut vraiment appuyer deux fois sur X super rapidement pour ne pas lancer votre matelas. Donc quand vous allez appuyer deux fois sur X super rapidement, vous allez voler. Donc quand vous volez, il faudra passer au-dessus de cette map qui est juste en face de moi. Donc c'est le deuxième code que vous avez rentré. Et je tiens à préciser que les codes des maps seront en description, en commentaire épinglé pour ceux qui veulent. Donc voilà. Donc quand vous volez, vous passez au-dessus de cette map, comme ça, vous allez en avant et à un moment vous allez tomber sur un mur orange. Donc il faudra maintenir X pour continuer à monter et passer au-dessus du mur orange. Donc là je vois que j'ai passé le mur orange grâce à la mini carte en haut à droite. On voit que mon ping avance, donc là c'est bon. Là je ne monte plus et j'avance toujours tout droit. Donc vous pouvez vous repérer avec les montagnes aux horizons. Vous avancez toujours tout droit entre les montagnes. Donc là regardez, il y a une map qui apparaît, qui commence à apparaître. Donc je continue à avancer et là en fait vous allez chercher une rangée de carreaux. Bon, en fait c'était celle qui était juste en face de moi. Donc il y a plusieurs rangées, mais prenez bien la rangée où il y a des carreaux comme ceci, comme si c'était un échiquier. Donc vous allez ici, ensuite vous vous placez juste ici, vous arrêtez de voler, vous utilisez votre poisson faille. Ensuite vous êtes dans la rangée, donc mettez un ping juste en dessous. Ensuite, vous allez dans la rangée juste en face. Donc, regardez comme je suis en train de le faire. Vous allez dans la rangée juste en face. Après, vous pouvez appuyer deux fois sur X hein, pour voler. Donc là, maintenant, quand vous êtes ici, vous allez placer un sol juste ici. Ensuite, vous descendez et vous placez un sol là, plus un plafond. Donc, OK, un sol, plafond, enfin un sol toit, quoi. Et ensuite, ici, vous allez mettre une rampe. Donc un escalier, hop, vous mettez la rampe comme ceci. Ensuite, vous remontez, vous allez ici, vous retournez près de votre ping. Là, vous allez prendre votre matelas, vous allez le lancer comme ceci, histoire de détruire les murs qui sont autour de Next Section. Hop, vous le lancez comme ça, voilà, ça détruit les murs, c'est parfait. Ensuite, vous remontez et vous allez au coin inférieur gauche, comme je suis en train de le faire. Donc voilà, vous allez exactement au même endroit que moi, dans cette petite box. Ensuite, vous arrêtez de voler. Et là, vous allez faire flèche du haut, jouer, et vous allez déposer vos métals, vos pads, votre poisson ombre et votre poisson faille. En fait, le poisson ombre, bon, en fait, il n'y avait pas besoin de le déposer, mais je vais récupérer. Donc voilà, vous déposez votre métal, votre accélérateur, donc vos pads et votre poisson faille. Ensuite, vous appuyez sur Options. Et vous allez dans paramètres, menu, et vous faites réapparaître. Vous appliquez en appuyant sur triangle. Là, vous allez attendre de réapparaître. Ensuite, quand vous avez réapparu, ben, vous appuyez sur option. Vous allez dans vos paramètres, menu, et vous allez lancer le jeu. Ensuite, vous attendez que le jeu se lance.
Et là, vous allez récupérer tout simplement les constructions, les pads et les poissons que vous avez déposés au sol. Ensuite, vous allez... ouais, c'est normal que vous pouvez prendre que 500 constructions. Ensuite, vous allez prendre votre poisson faille, vous allez l'activer. Et là, vous allez rejoindre le ping que vous avez mis juste en dessous. Enfin, juste un peu plus loin. Là où justement, vous avez lancé un matelas pour détruire les murs. Donc là, je vais rejoindre le ping. Donc en attendant de rejoindre le ping, je précise que vous pouvez mettre mon code créateur dans la boutique Fortnite et dans la boutique Rocket League. Mon code créateur, c'est 3 lettres, c'est SCM. C'est très court, c'est rapide, c'est efficace, donc n'hésitez pas à l'utiliser, ça me donne de la force les potos. Donc merci à tous ceux qui l'utilisent, ça me fait extrêmement plaisir. Donc voilà, quand vous êtes ici, que vous êtes près du ping, ah ouais non, il faut passer par le dessous. What? Voilà. Ah mince, je crois que j'ai déconné là. Je crois que j'ai déconné, je crois qu'il fallait pas mourir en fait. Hein. Ah ouais, il fallait pas mourir les mecs. Donc je vais recommencer. Je vais recommencer jusqu'à temps que j'arrive à cette étape. Et je vais pas déconner cette fois. Putain, j'étais pas au courant de ça. Bon, tant pis, c'est pas grave. Je relance. Ok, donc là, j'ai recommencé le glitch. Et normalement, ça devrait être bon. En fait, ce qu'il faut faire, c'est surtout pas atterrir au-dessus. Donc, vous laissez tomber. Et vous allez atterrir sur les carrés juste en dessous. N'atterrissez pas au-dessus parce que sinon, ça va faire comme moi. Et vous allez tomber. Et vous allez être bloqué en haut en fait, parce qu'il y a un mur invisible en haut, un plafond invisible. Et c'est ce qui m'est arrivé, je me suis placé au-dessus du plafond. Et en fait, pour redescendre, je suis descendu, mais j'ai eu des dégâts de chute. Donc voilà, faites pas comme moi. Alors là, si, faites comme moi, mais maintenant, pas avant quoi. Donc voilà, vous descendez ici, vous atterrissez ici. Ensuite, vous allez construire un sol ici. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez construire un mur. Donc... les murs, c'est voilà, c'est ça, parce qu'en fait je me trompe parfois dans mes touches. Voilà, vous construisez une box comme je suis en train de le faire. Là, vous allez construire encore un plafond, ici aussi un plafond. Là, vous allez construire un toit. Ici, vous allez construire un toit. Ensuite, vous allez modifier ce toit là comme ceci. Voilà, pour que ça fasse une sorte de pente. Ici, vous modifiez ce toit là pour que ça fasse aussi une sorte de pente. Et là maintenant, vous allez appuyer sur carré en regardant le sol. Voilà, pour que... Il faut bien qu'il y ait les flèches dans ce sens-là. Hein. Hop, pour que... Vous voyez, que les flèches soient dans ce sens-là. Et là, pareil, de l'autre côté, vous allez mettre les flèches. Et là, regardez, je vais gagner des XP en illimité sans rien faire. Donc là, je peux aller travailler, je peux aller dormir. Et ça va me faire gagner des XP sans rien faire. What the fuck, pourquoi? Attendez. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre... Mettez-vous au milieu et sautez comme ça. Voilà. Voilà, voilà. Il faut que ça fasse exactement comme moi. En fait, je m'étais sûrement mal placé sur les pads. Donc, ça buguait. Et en fait, le deuxième pad ne s'activait plus. Donc, essayez de bien vous placer pour que ça fasse exactement comme moi. Placez-vous au milieu. Sautez 2-3 fois en avant pour que ça continue en illimité. Alors, il faut savoir que là, moi, je gagne que 1000 XP. Après, j'ai glitché beaucoup avec ce compte. Donc, je gagne pas énormément d'XP. Mais vous, c'est possible qu'en... en une seconde, vous gagnez 10 000 XP. Voire même 100 000 XP. Parce que moi, j'ai regardé un Américain. Il a fait le glitch. Et il a gagné 100 000 XP en une seule seconde. Enfin, en quelques secondes, quoi, tout simplement. De toute façon, je vous montre un extrait là dans le gameplay. Je vous montre un extrait que la personne, elle fait le glitch. Elle est à 135 000 XP en quelques secondes. Donc voilà, c'est pas du fake. C'est juste que ça dépend des comptes. Il y a des comptes qui vont prendre énormément d'XP. Il y a d'autres comptes qui vont prendre pas beaucoup d'XP. Donc c'est complètement aléatoire. Donc faut tester. Si vous prenez beaucoup d'XP, tant mieux. Si vous ne prenez pas beaucoup d'XP, tant pis, il faut essayer un autre glitch. Ça varie, il y a des glitches qui rapportent plus à certains et moins à d'autres. Et inversement, parfois il y a des glitches qui rapportent plus à d'autres et moins aux autres. Enfin voilà, c'est complètement aléatoire. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, bruh.